Le voyage dans le temps est l'une des idées les plus fascinantes qui ait jamais honoré l'humanité. La possibilité de contempler l'avenir ou le passé suscite beaucoup d'intérêt chez nous tous. Un voyage dans le temps, que ce soit dans le futur ou dans les temps anciens, peut nous donner une idée de ce qu'était la vie de nos ancêtres ou des générations futures. Un regard sur le passé pourrait également aider à élucider de nombreux mystères qui ont tourmenté l'humanité dans son ensemble. Cependant, pour l'instant, cette idée n'est que pure fiction. Nous ne savons même pas avec certitude si le voyage dans le temps est possible. Il y a plusieurs cas dans le passé où des personnes ont prétendu avoir résolu le mystère du voyage dans le temps ou travaillé avec des opérations gouvernementales pour surmonter les obstacles du voyage dans le temps à l'époque moderne. Dans la plupart des cas, on peut supposer que la plupart de ces faits sont faux. Cependant, il y a beaucoup de cas qui semblent trop réels pour être écartés. Dans cette vidéo, nous allons examiner 10 de ces cas afin que vous puissiez vous faire votre propre opinion sur la question de savoir si vous croyez ou non que le voyage dans le temps est vraiment possible. Faites-nous savoir dans les commentaires. Pensez-vous que le voyage dans le temps est possible ou s'agit-il d'une simple théorie scientifique ? Si le voyage dans le temps est possible, nos actions ont-elles vraiment de l'importance si nous pouvons simplement remonter le temps et les refaire ? Téléphone portable pendant la Seconde Guerre mondiale. Cette affaire tourne autour d'une photo qui a été prise en 1943 en Islande. Au premier coup d'œil, on peut voir une intersection très fréquentée. Les trottoirs sont remplis de gens et il y a plusieurs voitures dans la rue. Cependant, si l'on regarde la photo de plus près, on remarque un homme qui semble être appuyé contre la vitrine d'un magasin. Il a l'air d'un travailleur assez normal, mais il y a un petit détail qui est super intéressant à son sujet. Si l'on regarde attentivement sa main droite, on dirait qu'il est en train de parler sur un smartphone des temps modernes. Cependant, je suis sûr que nous sommes tous conscients que les téléphones portables n'étaient qu'une invention de l'imagination humaine à l'époque. Nous en étions encore à l'époque des mégaphones à bobine, et le divertissement à domicile commençait tout juste à faire son apparition. L'idée qu'un homme ait un smartphone en 1943 est complètement absurde. Ou pas ? Il est difficile de savoir avec certitude ce que cet homme a pu faire. Mais est-il possible qu'il soit une sorte de voyageur du temps et qu'il utilise un appareil provenant d'un futur lointain ? Si c'est le cas, comment peut-il maintenir une connexion ? Sans tour de téléphonie cellulaire, on peut supposer que son téléphone serait inutile. Quoi qu'il se passe ici, cela semble vraiment un peu inhabituel. Peut-être est-ce une pure coïncidence que l'homme utilise un appareil qui ressemble à un téléphone ? Ou peut-être est-il vraiment un voyageur du temps ? John Titor. John Titor est le pseudonyme d'un homme qui prétend avoir voyagé depuis l'année 2036, soit environ 15 ans dans le futur. Dans notre monde, il est apparu en l'an 2000 avec pour mission de trouver un vieil ordinateur IBM de 1975 et de le ramener avec lui dans le futur. Il dit avoir besoin de cet ordinateur pour aider à utiliser le système d'exploitation Linux en l'an 2038. Pour une raison quelconque, ce système d'exploitation est devenu super important en 2036 et il avait besoin d'un ordinateur 32 bits classique pour y démarrer. Il dit avoir essayé d'en acheter un sur eBay à deux reprises, mais il était toujours surenchéri à la dernière seconde. Il n'a donc eu d'autre choix que de se tourner vers les membres d'une communauté en ligne pour l'aider à se procurer l'une de ces machines insaisissables. L'histoire de John Titor est l'une des plus intéressantes en matière de voyage dans le temps, car il a fait des prédictions qui allaient se réaliser quelques années plus tard. Il a montré aux membres du forum une photo de sa machine à voyager dans le temps et a même prédit que les tours jumelles de la ville de New York seraient détruites un an plus tard. Il a également prédit qu'une guerre majeure éclaterait entre les États-Unis et plusieurs pays du Moyen-Orient et a prédit que le prix de l'essence monterait en flèche en conséquence. Toutes ces prédictions se sont avérées exactes. Il est même allé jusqu'à prédire, avec certitude, les numéros de la loterie. Cependant, le 24 mars 2001, John Titor a trouvé ce qu'il était venu chercher et est remonté dans sa machine à voyager dans le temps et est reparti dans le futur, sans qu'on n'entende jamais plus parler de lui. Programme de voyage dans le temps de la CIA. Projet Pegasus. Andrew Basiago prétend lui aussi être un voyageur du temps. Il affirme pouvoir voir à la fois le passé et le futur, grâce à la technologie de l'ordinateur IBM 1975.
grâce à un programme de voyage dans le temps de la CIA, connu sous le nom de Projet Pegasus. Le projet a été mené entre 1962 et 1972 et a été conçu pour contacter les précédents présidents, téléporter des personnes sur Mars et même entretenir des relations avec des extraterrestres, soi-disant, bien sûr. Outre l'idée de pouvoir voyager physiquement dans le temps, le projet Pegasus a également permis de créer deux nouvelles technologies, la téléportation et le voyage dans le temps au moyen d'un holographe. Andrew a raconté des histoires folles sur le temps qu'il a passé à travailler pour la CIA et dit qu'il a maintenant pour objectif de devenir président afin de pouvoir déclassifier toutes les informations sur le projet et mettre la technologie à la portée des masses. Si cela devait se produire, l'histoire serait définitivement changée pour toujours. Mais ce qui est particulièrement effrayant, c'est que, si Andrew dit la vérité, nous ne le saurons jamais. Même si le gouvernement était capable de modifier le passé et d'influer sur l'avenir, nous aurions grandi sans en avoir conscience. Andrew Carson. En 2003, Andrew Carson a été arrêté par la Securities and Exchange Commission des États-Unis. Il avait apparemment effectué environ 126 transactions boursières à haut risque et avait réussi à gagner beaucoup d'argent sur chacune de ces transactions. Il a investi un montant initial de seulement $800, mais a réussi à transformer instantanément cet argent en $350 millions. En conséquence, il a fait une confession de 4 heures à la SEC et a affirmé qu'il était un voyageur du temps venu d'un avenir lointain et qu'il était capable de négocier ses actions avec précision en observant les tendances futures du marché. Il affirme que, en échange d'une petite peine de prison, il divulguerait les détails sur l'emplacement d'Oussama Ben Laden. Un homme qui fuyait les États-Unis depuis de nombreuses années. Il prétendait également détenir des informations détaillées sur un remède contre le sida. Ce qui rend le cas d'Andrew super étrange, c'est qu'il a réussi à être temporairement libéré de prison sous caution. Cependant, dès qu'il a été libéré, il a disparu et n'a jamais été revu. Le vol à travers la tempête. En 1935, Sir Victor Goddard était un maréchal de l'air de la Royal Air Force britannique. Il effectuait un vol entre Édimbourg et une base à Andover, en Angleterre. À mi-chemin de son vol, il a été pris dans une terrible tempête. Il raconte que la tempête a failli faire écraser tout son avion et qu'il avait l'impression que la pluie intense allait le faire exploser. Ce qui est étrange, c'est que le ciel était parfaitement dégagé avant le décollage. C'était en tout cas une belle journée pour un vol. Lorsqu'il a finalement réussi à sortir de la tempête et à revenir vers l'aérodrome, il a remarqué que de grandes parties du centre avaient été complètement désertées et abandonnées. Il a également remarqué que certains des hangars principaux avaient été repeints dans un schéma de couleurs différent. De plus, les hommes qui travaillaient sur la base ne portaient pas les couleurs de leur uniforme. Au lieu de cela, ils portaient tous des combinaisons bleues. Alors qu'il continuait à survoler la base, il a été pris dans une nouvelle tempête. Après s'en être sorti, il a été ramené une fois de plus à l'époque moderne. Il dit que la base ressemblait à ce qu'elle avait toujours été et que tout était redevenu normal. Il s'est avéré que la base a été repeinte quelques années plus tard, selon le schéma de couleurs dont Sir Victor Goddard avait parlé. Les uniformes ont également connu un changement majeur, la plupart des hommes portant désormais des combinaisons bleues. En tout cas, il semble que Goddard ait temporairement voyagé dans le futur. Alerte à l'invasion extraterrestre. En octobre 2017, des policiers de l'État américain du Wyoming ont pris connaissance d'un homme qui prétendait venir du futur. Il s'est présenté comme Brian Johnson et a déclaré qu'il avait pour mission de sauver le monde. Il semblerait qu'il vienne de l'année 2048 et qu'il ait été envoyé ici par des extraterrestres pour avertir les habitants de l'imminence d'une race d'extraterrestres maléfiques qui menaçait d'anéantir l'humanité. Cependant, il s'avérait qu'il avait voyagé trop loin dans le passé. Il était censé voyager en 2018, mais sa machine a fait une erreur de calcul et l'a envoyé trop loin dans le passé. Son cas est intéressant, car la police a remarqué qu'il agissait bizarrement et sentait l'alcool. Il a justifié cela en disant que les extraterrestres lui avaient donné de l'alcool pour qu'il puisse survivre au voyage dans le passé. Mais c'était évidemment un peu trop tiré par les cheveux pour être crédible.
Finalement, les agents l'ont pris en charge et l'ont placé dans une cellule de détention jusqu'à ce qu'il soit sobre. Voyage dans le temps et l'espace par un soldat espagnol. Cette affaire concerne un soldat espagnol nommé Gil Pérez, qui est apparu sur la Plaza Mayor de Mexico, en octobre 1593. Il est apparu visiblement confus et a déclaré qu'il connaissait le gouverneur de Manille, ajoutant qu'il avait été assassiné le 25 octobre 1593. Cependant, la police lui a dit que la date actuelle était le 24 octobre. Ils l'ont alors arrêté pour désertion et sorcellerie. Environ deux mois plus tard, un navire est arrivé de Manille, informant les habitants que le gouverneur avait effectivement été assassiné le 25 octobre. L'un des hommes du bateau a également déclaré à la police qu'il avait vu le soldat, Gil Pérez, à Manille, le 23 octobre, bien que cela ait pu être possible s'il était déjà à Mexico le 24. En fin de compte, le soldat a été libéré de prison. Est-il possible que cet homme ait d'une manière ou d'une autre voyagé accidentellement dans le passé? La rencontre d'Edward Meyer avec les ovnis et leurs occupants. Edward Albert Meyer travaillait comme agriculteur en Suisse. En dehors de son travail quotidien normal, il affirme avoir une vie extrêmement unique. Il affirme avoir été en contact avec des extraterrestres à de nombreuses reprises entre 1942 et 1975. Lors de sa dernière conversation, Edward a dit qu'il voulait obtenir des preuves de leur part pour prouver qu'il parlait avec de véritables extraterrestres. Les extraterrestres ont refusé de lui fournir les preuves et ont dit qu'ils ne voulaient pas interférer avec notre culture actuelle. En fin de compte, la seule preuve que nous ayons de la véracité des propos d'Edward est constituée de quelques photos d'ovnis survolant les montagnes suisses. Mais ces photos n'ont pu être authentifiées. Nous ne saurons peut-être jamais si Edward a vraiment dit la vérité pendant tout ce temps. Rudolf Fentz. En 1950, un homme étrangement vêtu est apparu à New York et a erré en titubant sur Times Square, comme si il était ivre ou blessé. Il portait des vêtements anciens, mais personne ne sait exactement d'où il venait. Il est apparu de nulle part et est tombé dans la rue où il a été heurté par un taxi. Il est décédé presque immédiatement de ses blessures. Lors de son autopsie, le médecin légiste et la police ont trouvé plusieurs vieux billets de banque ainsi que des timbres de dépôt et une lettre datée de 1876. Ils ont également trouvé quelques-unes de ses cartes de visite portant son nom. Lorsque la police a commencé à reconstituer son identité, elle est tombée sur une vieille affaire non résolue datant de 1876, dans laquelle un homme nommé Rudolf Fentz avait mystérieusement disparu. Son apparence et ses vêtements correspondaient à la description de l'affaire. La machine catholique a remonté le temps. L'affaire du chronovisor remonte à un prêtre catholique, François Brune. Le prêtre affirme qu'un scientifique italien l'a informé de l'existence d'une machine à voyager dans le temps qui leur permettrait de voir le passé et même les événements actuels. Il affirme que 12 scientifiques ont participé à la création de l'appareil et va même jusqu'à afficher une photo de la crucifixion de Jésus-Christ comme preuve. Bien que cette affaire puisse sembler convaincante, on s'est vite aperçu que l'image était une falsification. Il a fourni une autre preuve, une transcription qui a été écrite en l'an 169 avant Jésus-Christ. Cependant, il s'est avéré que cette transcription était également frauduleuse. En fin de compte, l'histoire du chronovisor semble avoir été entièrement inventée. Cependant, nous ne savons pas quel serait le motif pour inventer une telle histoire, à part une petite renommée. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime » et d'activer la cloche de notification pour recevoir d'autres vidéos.